Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui je vous ouvre, il est 11h40 tout pile. L'abricot vient seulement de se réveiller il y a de ça un petit quart d'heure. Moi je suis levée depuis un moment puisque ce matin j'avais un monsieur qui venait pour changer le compteur électrique. Voilà, en fait cette nuit Léo a eu de la fièvre, Léo a eu le nez bouché, Léo a toussé, donc je crois qu'on est reparti pour une crève. On change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. De mon côté ça va mieux, mais perso j'ai eu une quinte énorme hier soir. J'ai vraiment eu du mal à m'en sortir. Je vous prends avec vraiment la coupe des folles. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas fait d'effort sur la coupe. Pousse, je dois lui gonfler son truc du petit prince. Monsieur Léo vient d'ouvrir son calendrier de l'Avent. Je lui avais pris un truc. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Je ne pensais vraiment pas. Bon, alors là, comme ça, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est un immense zèbre. Franchement, je trouve ça tellement drôle. Il a trop kiffé quand je l'ai gonflé et qu'il a vu la grandeur du truc. Enfin, vous voyez, par rapport à lui, il est tout petit. Mais c'est trop drôle, franchement, j'aime trop. Bon, autant vous dire qu'on en a une qui est en flip total. Le zèbre ne lui plaît pas du tout. D'ailleurs, c'est pas son pote. Hein. Pour ce qui est du programme du jour, eh bien, je n'en ai pas. Si ce n'est déposer Léo chez mes parents ce soir en fin d'après-midi puisqu'il y dort. Car demain, on a un rendez-vous d'Adou et moi assez tôt. Et du coup, ça sera plus pratique qu'il dorme chez ses grands-parents. Donc voilà, je déteste ça, clairement. Mais du coup, ce soir, ouais, il sera pas à la maison. Et pour aujourd'hui, eh bien, on va surveiller la fièvre, tout ça. Bon, là, au réveil, il avait 37,8, donc ça allait. Mais cette nuit, il a été brûlant. Oh là là, mon Dieu, je sais pas à combien il est monté, mais il avait très très chaud. Et puis du coup, bah, le programme s'adaptera en fonction de Nounou l'abricot. Voilà, donc bah, écoutez, on verra bien. C'est parti pour une nouvelle journée. J'ai mon monstre derrière qui est en train de mettre la misère à son petit zèbre. Je sens qu'avec ce truc, on va bien rigoler. Bon, allez-y, c'est parti pour la journée ensemble. Bon, vous connaissez la Shkoumoun. Regardez, mon paquet de pâtes s'est ouvert par en bas. Pendant que j'allais le mettre dans la casserole, le mec a décidé de s'ouvrir en bas. Du coup, j'en ai mis partout. Bon, je viens de tout regrouper. Oh, j'en ai marre. Ce midi, au programme, c'est pâte bolognaise avec ce genre de pâte. Ouais, Léo a choisi ça. Mais du coup... Ben voilà, on adore, ça c'est tout moi ça. Il est 14h à l'heure à laquelle je vous reprends depuis mon spot habituel. Je vous prends que maintenant, pourquoi? Parce que j'ai eu ma cousine pendant 1h30 je crois au téléphone. On était en visio comme ça, Léo pouvait voir sa tata. Il arrêtait pas, il avait plein de choses à lui raconter. On a mangé du coup en même temps qu'on l'avait au téléphone et tout. Comme ça on était avec elle. Et puis après mon petit bec a demandé à s'allonger sur le canapé avec la couette et tout. Il est vraiment patraque, il est pas en grande forme. Donc là il est parti à la sieste. Et je pense que ça va lui faire du bien, je sais pas combien de temps il va dormir, sachant qu'il s'est levé à 11h passé, donc on verra bien, mais bon, l'essentiel est qu'il se repose. En attendant, moi là tout de suite je vais faire la miniature, la description et tout pour le vlog de ce soir. Après je pense que je vais commencer à aller emballer des cadeaux de Noël que j'ai à finir d'emballer, certains qu'on a reçus là fin de semaine, et du coup comme ça sera fait. Après il faut que je réponde à 2-3 mails, j'ai pas mal de petits trucs à faire dans la maison, donc voilà, ça va être tranquille. Je sais pas encore à quelle heure je dépose Léo chez mes parents tout à l'heure, donc je vais voir ça avec eux. Et puis voilà. Ah oui, je vous ai pas raconté, Léo a un coquard. Ouais, un coquard. En fait, hier, il était au taquet de chez Taquet. On était tous les trois, donc à la maison. Il était vraiment surexcité, vraiment en forme de chez forme. Et il arrêtait pas. Et je pense qu'il avait mal aux dents, qu'il était énervé, qu'il était fatigué, que peut-être la crève qui est arrivée cette nuit commençait à jouer sur lui. Et donc, bah, Léo qui est énervé, c'est un Léo qui court partout, qui se met vite en danger, qui fait pas attention, qui fait 36 000 choses à la fois. Il est pas là, qu'il est déjà là-bas. Enfin bref. Et comme on lui disait avec son père, attention Nounou, tu vas te faire bobo, attention écoute papa et maman parce que là tu vas finir par te faire mal. Ça n'a pas loupé, il a ouvert un des tiroirs de notre meuble télé, il a trébuché dessus et le coin du tiroir est arrivé juste ici là. Et vraiment il a eu beaucoup de chance parce qu'il aurait pu le prendre dans l'œil et ça aurait été dans ce cas beaucoup plus grave parce qu'il est tombé vraiment la tête la première. Donc ce qui fait qu'il a un trait comme ça avec le tiroir, mais qu'ici on voit bien la pointe qu'il a légèrement ouvert sous l'œil, et du coup bah, il a un gros trait tout violine bleu. C'est un hématome autour quoi. Donc voilà, un joli petit coquard. Il m'a fait bien peur, il a fait bien peur à son père. Voilà, donc bon, il a pleuré 3 secondes hein, comme d'hab avec Léo. Mais nous on a mis encore 3 heures à s'en remettre. Donc on a mis une poche de froid, il tenait sa poche de froid, il disait bobo là maman, bobo. Je disais oui, il faut garder le froid dessus.
Et voilà quoi, donc Léo, enfin bref. Donc je vais faire ma miniature, tout ça, après cadeau de Noël, et ça sera déjà pas mal. Bon, et bien il est bientôt 16h, Léo dort encore, alors c'est l'heure de la petite pêche du jour. Chez Mademoiselle Bio, on a eu le droit à une crème de main réparatrice de la marque Jonzac. Chez Nux, on a eu une miniature de l'huile prodigieuse, c'est la troisième je crois qu'on a dans le calendrier, ça fait un peu beaucoup. Bon, c'est vraiment une miniature, hein, mais bon, c'est un bon produit, mais pour la troisième fois, le troisième coup... peut-être un peu trop. Chez Jewel Candle, il y a eu deux petites bougies comme ça, mais qui ne sentent rien, toutes blanches. On en avait déjà eu deux rouges une fois. Chez Clarins, c'est à nouveau un produit de la gamme Hydra Essentiel. C'est la gamme SOS Hydratation. C'est le masque fraîcheur hydratant intense. Et chez L'Occitane, on ne change pas une équipe qui gagne avec une miniature de l'huile en sérum immortelle. Donc ça, c'est un produit que j'aime bien. Bon, le format est rikiki, mais j'aime bien ce produit, donc je suis quand même contente. Voilà donc pour la petite pêche du jour. Et je vous avais mis de côté les produits que j'ai eu hier, donc le 19. Moi, pour moi, le 19, je vous ai posté un joker, donc j'ai pas filmé. Mais en gros, j'ai eu un après-shampoing L'Occitane, un baume pour le visage de la gamme Rêve de miel de chez Nux, un baume pour le corps hydratant de chez Clarins. Ça, j'aime beaucoup. C'est un sérum pour le visage en full size, hein, je crois, chez Mademoiselle Bio de la marque Madara. Et pour finir avec Jewel Candle, une nouvelle huile essentielle. Bon, il est 4h15 et j'entends mon petit bec qui m'appelle. L'atelier du Père Noël n'a pas tout fini, mais j'ai bien avancé, donc c'est cool. Il a fait une grande sieste et franchement il s'est bien reposé. Je vais donc le chercher, le couvrir de bisous. Voilà. Bon, ça y est, je vous reprends depuis la maison. Il est 18h30, je viens de rentrer. J'ai laissé mon petit abricot, mais qui n'a pas pleuré, donc je suis contente, c'est déjà ça. Mais bah voilà, j'ai du mal, je suis une mère poule, tout ce que vous voulez. Et moi, clairement, quand j'ai pas mon fils auprès de moi, j'ai du mal. Je vais me rassurer et me changer les idées en passant une petite soirée en amoureux avec Dadou. Ce qui n'est clairement pas arrivé depuis 2 ans, puisque à chaque fois qu'on a fait garder Léo, c'est parce qu'on avait des choses à faire le soir même. Et là, ce soir, on n'a rien de prévu, donc on reste vraiment tous les deux. J'ai acheté des petits trucs pour nous faire un petit repas. Bon, clairement, vous attendez pas un repas aux chandelles, hein, ça ne nous ressemble pas. Mais un petit truc tranquille pour être tous les deux. Et puis après, je pense qu'on va se mettre un film, se faire des petits masques. On aime bien faire ça avec Dadou, donc voilà. Voilà. Du coup, je vais quand même vous montrer mes petites cours. J'ai pris de quoi nous faire un petit apéro, donc des olives, les crespos évidemment, des 3D cacahuètes pour aller avec les olives. Je nous ai pris également de la viande, donc deux bavettes d'aloyo, bref, deux bavettes, des frites au four, des cheesecakes Oreo, on les aime bien ceux-là, et du coup, je me suis dit que j'allais nous prendre ça comme dessert, parce qu'en plus, la boulangerie était fermée ce soir vu qu'on est lundi, donc du coup, bah, j'ai pris ça. Qui dit pas de boulangerie dit du pain à cuire au four, et puis des petites cochonneries à manger devant un film. Voilà. Ah si, j'ai aussi repris deux petites bouteilles de lait puisqu'on en avait plus et je voulais prendre de l'adoucissant et j'ai oublié, donc c'est pas grave, ça attendra demain ou après-demain, ou je sais pas quand j'aurai le temps de retourner en course. Bon, je voulais revenir avec vous, enfin vous parler d'un truc en fait que je viens de voir sur YouTube. J'ai vu déjà hier et j'ai vu la suite aujourd'hui. J'ai découvert avec beaucoup de tristesse et de compassion pour Caroline les vlogs concernant sa maison qui a été clairement saccagée par une famille qui a loué sa maison et qui était, qui plus est, une abonnée à qui elle a entièrement fait confiance et tout, qui a détruit sa baraque. Enfin franchement, si vous n'avez pas vu ses vlogs, enfin ça m'étonnerait, mais n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. C'est franchement honteux, ça m'a, je sais pas, ça m'a bouleversée. Je me suis dit mais merde, mais comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut être aussi malhonnête. Et voilà, du coup je me suis dit que j'allais vous en toucher de mots parce que ouais, clairement ça m'a fait chier pour elle, parce que j'ai déjà rencontré Caroline sur des events et tout, et c'est une fille qui est géniale, entière, et franchement j'adore ses vidéos. C'est une nana très cool, une maman qui a l'air vraiment super avec ses enfants, enfin bref, voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup. Et ouais, ça m'a fait vraiment chier pour elle, et je me suis dit mais mon dieu, enfin je comprends pas qu'on puisse faire ça. Et quand bien même ça ne serait pas Caroline mais quelqu'un d'autre, et bien je trouve ça franchement... Il n'y a pas les mots, et voilà, j'étais vraiment désolée pour elle. Bon, je pense pas qu'elle passera par là, mais en tout cas, Caroline, si auquel cas tu passes par là, ben, je t'envoie tout mon soutien, parce que clairement, je suis outrée, je suis scandalisée, je suis vraiment désolée pour toi et Joanne pour ce qui vous arrive sur cette maison-là. C'est honteux, voilà. Bon, bref, je voulais juste réagir avec vous à ce sujet, parce que vraiment, ça m'a...
Ouais, ça m'a interloqué et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et voilà, du coup, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Et quand il y a un petit abricot qui n'est pas là et que la maison est calme, eh bien, on a une petite cachounette qui ronronne sur le canapé, tranquille, qui regarde le sapin, qui a bien envie de croquer tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, du coup, elle est au calme, ma petite choupinette. On t'a pas vu beaucoup dans ces vlogs, quand même, cachou. Tu fais partie des abonnés absents, c'est ça? Mon fille, qu'est-ce que je l'aime, ma petite nouille. Ma petite chérie d'amour. Ouais, je suis complètement gaga avec mon chat, mais bon, c'est notre bébé. C'est notre premier bébé. Voilà, c'est notre petite cachounette. Oh, ma fille, regardez-moi cette petite tête d'amour. Bon, je suis toujours sur mon canapé, mais j'ai changé de place. D'ailleurs, en voyant ça derrière, je me suis rendu compte que ça fait 2 jours que j'ai pas changé les chiffres. Parce que en fait ça fait le décompte de Noël, mais bon c'est pas grave. Alors pourquoi nous avons déposé l'abricot ce soir? Je vous disais ce matin qu'on avait un rendez-vous demain matin qui est très important pour nous. C'est quelque chose qui va changer notre vie je pense. Et on a rendez-vous assez tôt donc il fallait sinon qu'on dépose Léo demain matin, mais ça aurait été clairement trop galère. Et ça fait partie des choses dont je vous parlais, que j'avais très très envie de partager avec vous au mois de décembre. Donc voilà, j'attendrai demain pour vous en parler, mais c'est... C'est quelque chose qui, je pense, vous fera plaisir pour nous. En tout cas, je l'espère. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Et on a vraiment hâte de le partager avec vous. Mais voilà, j'ai bien trop hâte. Je ne peux pas vous en dire plus encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça sera bien évidemment dans le vlog de demain. Je vous en parlerai. Et vous comprendrez très vite. Et voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai vraiment trop hâte. Voilà, ça va être une grande étape pour nous. Et c'est très très chouette. Donc voilà, je vais aller finir d'emballer les petits cadeaux que j'ai pas eu le temps d'emballer tout à l'heure. Et puis après, Papa Dadou va rentrer d'ici une petite heure, je pense. Ouais, une heure et demie peut-être. Je vais voir avec lui. Et puis après, on va passer une soirée tranquillou. Donc voilà, petit programme peinard ce soir. Bon, il faudra quand même que je monte ce vlog pour que vous l'ayez demain. Mais jusque là, bah, on va passer une petite soirée en amoureux tranquille. Voilà. Les petits loups, je vous reprends. Il est 22h25. Et j'allais commencer le montage de ce vlog. Et je me suis rendu compte que tout à l'heure, je ne l'avais pas clôturé. Là, je me suis donc mise devant Harry Potter. On a très bien mangé. On a pris l'apéro. Après, on a bien mangé et tout. Voilà. Donc là, je sors du bain. J'ai fait... mon shampoing et tutti quanti. J'ai aussi terminé tous les cadeaux de Noël, donc ça c'est cool, comme ça tout est emballé. Je crois qu'il m'en reste un à faire, mais je réfléchis encore à la façon dont je vais l'emballer. Donc voilà, j'espère que ce petit vlogmas vous aura plu. J'ai bien trop hâte de vous retrouver demain. Ouais, j'ai hâte. Bon allez, je vous laisse, je me mets au montage parce que clairement je suis pas couchée. Et je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao ciao.